Alors maintenant, le requin du cinéma, Raoul Mille, le billet d'humeur. Alors, tout à l'heure, j'ai démoli Sweetie. Oui. Je suis pas gentil. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pour une fois, tout arrive, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous dans cette dame qui a fait le film, qui elle est australienne, mais enfin ça, c'est, tant pis, c'est pas sa faute. Il faudrait qu'elle se paye des vidéos et puis qu'elle se traite ça chez elle tranquillement, au lieu de présenter ça à Cannes. Non, je préfère vous parler d'un film français qui a été présenté à Saint-Regard cet après-midi, qui s'appelle Peau de vache. C'est un mauvais titre, mais c'est un bon film. Il est réalisé par une jeune réalisatrice de 30 ans, Patricia Mazui, et c'est avec Sandrine Bonner et Jean-François Stévenin. Ça se passe en Picardie, c'est un drame paysan, mais bon, les drames paysans, c'est vrai, d'habitude, c'est plein de conventions. Eh bien là, non, c'est des personnages qui existent, c'est l'histoire de deux frères, l'un a fait 10 ans de prison pour l'autre, il revient chez lui, il peut lui prendre sa femme, c'est Sandrine Bonner, ça c'est merveilleux, et puis je vous dis pas la fin, s'il lui prend ou s'il lui prend pas, mais vous verrez, c'est un film qui a besoin de Cannes pour arriver jusqu'à vous, bientôt il va être dans les salles. Ne ratez pas ce film, ça s'appelle Peau de vache, c'est Patricia Mazui, ça se passe dans la Picardie, c'est un très beau film français sur la France profonde. Merci Raoul, au revoir et à demain.